Oh là là, t'as vu l'heure, Marie-Rose? Oh, c'est bien le moment. J'y vais, va te raser, toi, on va être en retard. Au fait, tu peux me déposer à la boulangerie ce matin? Bonjour, dame! Déjà? Tu es prête, Marie-Rose, faut y aller. Non. Désolée, les enfants, mais nous sommes un peu en retard ce matin. Cédric! C'est pour toi! Bonjour, monsieur! Bonjour! C'est pas vous qui avez téléphoné tout à l'heure? Non, non! Pourquoi? Oh, pour rien! Salut! Salut! Cédric! Attends! Passe une bonne journée, mon chéri! Et travaille bien à l'école! Au fait, tu n'as pas eu ton argent de poche cette semaine? Si! Tiens, voilà un petit supplément. Comme ça, tu pourras offrir une glace à tes copains. Merci, papa. Merci, monsieur. Bonne journée, les enfants. Waouh, trop cool. Ils sont comme ça tous les matins, tes parents? Non, là, c'est exceptionnel. C'est parce qu'ils se sont disputés. Je vous raconte pas l'ambiance en se levant. Après, Cédric. Oh. Quoi? Ton père, il a dormi sur le divan? Ouais, et ma mère, elle est retournée se coucher sans lui adresser la parole. J'ai vu un film comme ça à la télé. Quand le gars, il dormait sur le divan, c'est que ça avait bardé avec la fille. Même qu'après, il dormait tout le temps sur le divan, parce que ça allait plus du tout entre eux. J'ai dit qu'ils s'étaient disputés, pas qu'ils allaient se séparer. Bah, tu sais pourquoi ils se sont disputés? Non. Hier soir, tout allait bien. Même qu'on s'est bien amusé, on a joué au jeu des sept familles. Dans la famille Grosbec, je demande la fille. Tiens. Famille. Petite Joe, t'es fort, gamin. Oui, mais maintenant, c'est l'heure. Oh non, encore une partie. Non, 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 non. Demain, c'est l'école. Et puis, tiens, regarde. Il va y avoir un orage. Et puis moi, je suis vidée. La journée a été dure. Allez, bonne nuit, mon chéri. Va vite te coucher. Toi aussi, tu dois tomber de sommeil. Oh. Bonne nuit, tout le monde. J'ai juste eu un peu de mal à m'endormir à cause de l'orage. C'est toi, Cédric? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir. L'orage est presque fini. Retourne te coucher. Tu verras, le sommeil va finir par venir. C'est long. Tu n'as qu'à compter jusqu'à 100. La porte. Oh. 17, 18, 19. Cédric, en silence, s'il te plaît. Je peux compter sur mes doigts alors? Oui. Alors, 21, 22, 23. Après, je sais pas, j'ai dû m'endormir. Où tu vas? Réveillé pour réveiller, je vais en profiter pour descendre manger quelque chose. J'ai comme qui dirait un petit creux maintenant. Il doit rester une cuisse de poulet dans le frigo. Oh!
Qu'est-ce que tu fais? Il m'a échappé des mains. Tiens, ça ira comme ça. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? On peut savoir ce qui se passe? Rien, papa. Cédric n'arrivait pas à dormir et Robert a cassé un plat. Désolé de vous avoir réveillé, beau-père, mais j'avais un petit creux. Moi aussi, maintenant. Désolé, papa, mais il n'y a plus rien à grignoter. Bah, je me contenterai d'une tasse de lait chaud. Il en reste. Attends, je vais te le donner. Oh, je peux retourner me coucher maintenant? Ah, qu'est-ce que c'est? Hein? Quoi? La télé? C'est quand même pas Cédric! Ça doit être ton père. Je vais voir. Pourvu qu'il n'ait pas réveillé le petit. Ouf, non. La tortue verte pèse de 100. Désolé, mais quand je l'ai allumé, j'ai appuyé involontairement sur le volume. Vous croyez vraiment que c'est une heure pour regarder la télé? Il est 3 heures du matin. Oh, 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 oh. C'est pas ma faute à moi si je n'arrive pas à me rendormir. C'est pas moi qui ai fait du barouf dans la cuisine. Si vous n'arrivez pas à vous rendormir, vous n'avez qu'à compter jusqu'à 100. Ça marche très bien pour Cédric. Oh, n'avez qu'à compter vous-même. Oh. Chut. C'est pas bientôt fini, tous les deux? Ton père, il m'a tiré la langue! Et rapporteur avec ça! Mais tu l'entends? Non, mais vous avez quel âge, tous les deux? Si vous voulez vous disputer, allez dehors! Qu'est-ce qui se passe? C'est malin, vous m'avez réveillé, le petit! C'est rien, c'est à cause de l'orage. Viens, on va se recoucher. Elle a raison. On ferait mieux d'aller se recoucher, vous ne croyez pas? Vous voyez, il s'est rendormi. Vous faites toujours des histoires pour rien. Quand vous... Chut. Allez, bonne nuit. Mais c'est ça, bonne nuit. Je vous ai vu. Bon, bah, j'ai plus qu'à dormir dans le salon, moi. Vraiment que c'est parce qu'ils se sont disputés que ton père t'a donné de l'argent de poche en rab? Ben, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tes parents se disputent? J'aime pas, alors j'essaie de les réconcilier. Moi aussi, mais moi, j'ai trouvé un truc infaillible. Remarquez, j'ai eu de la chance. Au petit-déj après, Cédric. Allô, Cédric Dupont à l'appareil. Non, je peux vous passer personne. Bah, parce que mon papa, il s'est disputé avec ma maman. Je le sais parce qu'il a passé toute la nuit sur le divan et il dort encore. Et ma maman, elle a juste préparé mon petit déjeuner et après elle est retournée se coucher. Mon pépé, lui, il refuse de se lever. D'habitude, il est déjà debout à cette heure-là. Quand il fait ça, c'est qu'il veut plus parler à personne. T'es idiot. Voilà, monsieur, vous voulez que je fasse une commission? Non? Au revoir, monsieur. Cédric! Qui c'était? C'est pas moi. Comment ça, tu ne sais pas? Mais enfin, Cédric, qu'est-ce qui te prend d'étaler notre vie devant tout le monde? Ben, c'est vrai, quoi. Les histoires de famille, on ne va pas les crier sur tous les toits. On a l'air de quoi, maintenant? Surtout qu'on s'est pas vraiment disputé, tu sais. C'est juste qu'il y avait de l'orage. Et comme toi, on a eu un peu de mal à se rendormir. C'est vrai? Bien sûr que oui, mon chéri. Alors pourquoi papa, il a dormi sur le divan? Oh, ça, c'est juste que ta mère avait très sommeil. Et j'ai voulu la laisser dormir tranquille, tu comprends? Ah bon? Bah tant mieux, j'ai eu peur. Mais pourquoi vous n'avez pas compté jusqu'à 100 pour vous endormir? Ça marche super bien.
M'étonneras toujours, le gamin. Pas vrai, Robert? Non, vous. Oh là là, t'as vu l'heure, Marie-Rose? Bonjour, dame! Déjà? Et c'est vrai, ça? Tu savais pas qui était au téléphone? Ben non, quand j'ai dit mon nom, le gars à l'autre bout du fil, il a dit « Excusez-moi » et il a raccroché. Je comprends pas. C'est simple, Betterave. Moi, j'ai continué à parler tout seul. Mais ça, ma famille, elle le savait pas. Ha 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 ha